Bouger là. On va être atteint. Ça y est, ça filme là. Allez. Bon, tu connais qu'on dit salut, salut chez moi. Allez, on y va. Allez. Attends, tu m'as même pas briefé au début, rien. Quelle est la plus coquine des deux? C'est elle. Elle a un fantasme. Non, c'est pas un fantasme. Ouais, mais t'aimerais bien. C'est marrant. T'aimerais bien le faire. Hein. Ben, j'aimerais bien. Si ça arrive, je le ferai. Tu veux le dire ou tu veux te garder le secret? Vas-y. Salut, salut! Donc, je me retrouve avec ma soeur Jennifer qui est toute timide et ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas quoi faire. Voilà, c'est ça. Donc, je vous avais demandé sur Snap et Instagram de nous poser des questions. Questions qui j'espère seront marrantes quand même. Ouais. Parce que si vous nous posez, ouais, vous êtes connue quand, à quel âge, combien vous. Voilà. Quelle est ta soeur préférée? Ouais, voilà. C'est pas trop marrant, hein. Alors, on a quand même, ouais, on a quand même pas mal de questions. Donc, on va commencer. Donc, vous la connaissez, hein, c'est Jennifer, ma soeur. Jennifer. Jennifer, ma soeur. Depuis 37 ans. Non, depuis 30 ans. Ah oui, c'est vrai, c'est ton âge qui compte, c'est pas le mien. Donc là, on va essayer de vous répondre. Voilà, si vous voulez nous en savoir un petit peu plus sur nous. Et c'est maintenant, c'est tout de suite. Quand vous étiez petite, qui a fait le plus de bêtises? Mais c'est toi. C'est moi, et tu sais. Pourquoi? J'étais la plus calme. Oui. Et tu étais la plus capricieuse. Non, c'est Cindy avec ses crises sous la ouais, table. Ouais, les crises, mais toi aussi. Maman, elle disait que toi aussi quand même. Bon, je faisais des toi, crises. Toi, tu mettais sous la douche. Ouais, sous une douche glacée, pour me calmer. Ouais, tout à fait. Bon, c'était mieux ça que prendre des coups, ceinture. On t'en a pris. C'est vrai. Mais sinon, ouais, c'était moi qui a fait le plus de bêtises entre nous deux. Ouais. Toi, non, si, toi, t'as fait une grosse bêtise et quand tu t'es mis le rouge à lèvres de maman ouais, derrière le carreau. Ouais. Là c'était. Ouais, mais c'était pas une grosse bêtise. Pour elle, oui. Ouais, c'est vrai. Savoir. Après, bon, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Alors, c'est qui la plus grande en âge? C'est elle. Ça se voit. Ça se voit, non? C'est elle. En fait, elle est plus vieille, elle a 44 ans. Depuis le mois de juillet. Tu dirais? Non, c'est pas vrai. C'est moi la plus vieille. On a 7 ans d'écart. Pourtant, des fois, on nous prend pour des jumelles. Je trouve pas, moi. Oui, parce que nous, on se connaît. Même la voix, ils disent qu'on a la même. Ouais. Mais il y en a, ils disent qu'on se ressemble beaucoup. Sauf qu'il y en a une brune, une blonde. Et une plus maigre, une grosse. Tout de suite, la différence. Et ouais. Quoi? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Ah, t'es plus malade pour entendre des conneries. Ouais, on est un malade derrière nous, mais... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ensuite, comment tu t'appelles? C'est moi, non? Oui. Jennifer. Voilà, elle s'appelle Jennifer. Enchantée. Quelle est votre pire honte? On va dire honte parce ensemble, que les bêtises... Ah oui, bêtises. Bêtises, on l'a déjà dit. Non, bêtises oui, ou bêtises ensemble. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Une honte ou quoi? Des conneries. On se fait la gueule des gens. De Cindy. On fait toujours des conneries à Cindy. Ouais. Combien de fois on l'a espionné dans la chambre? Qu'elle dansait sur Michael Jackson. On se mettait derrière la porte, elle se mettait la musique, elle faisait... et puis elle dansait, puis elle chantait ouais, en plus. À fond, elle était. C'est quoi ça? C'est mon ami de Pierre. On doit rigoler, on doit voir que tout. En plus, on a le même. Mais oui, c'est pour ça. En plus, ça m'est colgoulé, donc c'est pire. Non, mais ça sert pas. Donc, ouais, après, la pire honte qu'on a fait, c'était quoi? Est-ce qu'on a eu une honte ensemble, nous? Franchement, oui. Faire des conneries, oui, mais honte. Honte, ouais, je sais pas, je vois pas quelle honte. Mais des conneries, oui, on en a fait quand même. Ouais, ouais. On se fout de la gueule des autres. C'est vrai. C'est vrai, on est des commères toutes les deux.
on avoue, on est des commerces. S'il y a quelque chose qui se passe devant nous, on va rigoler, on va pas... On va pas aller plaindre la personne ou quoi, on va rigoler avant d'aller la plaindre. Ouais, ouais, c'est de famille ça. Hein. Ouais. On est tous comme ça, du côté de chez ma mère, on est tous comme ça. Ouais, on est tous pareil. On est à cause de la mamie Suzanne. C'est ça, c'est vrai. Elle était comme elle, était toujours derrière le carreau en train de regarder les gens ce qu'ils faisaient. Ouais, se mêler de tout. Ouais. As-tu toujours été proche de ta sœur? Ouais. Non. Plus jeune, non, hein. Ouais, mais on était ensemble quoi. Ouais, mais on se tapait pas autant que maintenant. Ah ouais, non. Comparé avec moi et Cindy, j'étais trop petite pour. Ouais. Pour que tu me tapes. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, ouais, avant, ouais. On avait 7 ans d'écart quand même. Quoi que tu tapes avec Clément? Non, pas trop. Ouais. Parce que j'avais 15 ans quand même quand il est né. Ouais. Ah ouais, alors. Non, non, c'est Cindy, moi. Cindy, qu'on s'est toujours battu, Cindy et moi. Ouais, mais on n'était pas. À l'égène, on n'était pas proches comme maintenant. Non. Sauf que je t'habillais, je te prenais pour ma poupée. Ouais. Je l'habillais tout le temps, je l'habillais. Et ton esclave aussi. Mon esclave. On avait une maison, on avait trois étages. Trois étages. Deux étages. Et en fait, moi, j'avais la chambre du haut. Et à chaque fois, je l'appelais Jennifer. Elle montait comme ça. Tu peux descendre en bas, me chercher un verre d'eau. Tu peux descendre en bas, me chercher un bonbon. Tu peux descendre. Du raisin. Et ouais. Et elle redescendait. Et elle m'écoutait en plus, c'est ça le pire. Ouais, c'est bon élève. Elle m'écoutait. C'est vrai ça. Ah ouais. Ah, j'étais un tyran quand même un peu. Ouais. Tu l'es toujours, hein? Ah bon? Oui. Ah bon. Quand je n'avais pas le permis, celle-là, je l'ai avec elle partout. Jennifer, vas-y, descends, on va chercher ça. Vas-y, descends, on va chercher mais ça. Mais quoi, le gasoil? Ouais. Tu m'as mis de l'essence. Là, je t'ai mis du gasoil. Ben, ouais, elle m'a mis du gasoil. Je crois qu'elle a voulu se venger, en fait. Elle a pas voulu nous dire, mais elle a voulu se venger. Ah ouais, tu veux que je descende te mettre de l'essence? Tu vas voir. Je vais te mettre de l'essence. Et maintenant, cette Tisselle l'a commis. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah ouais. Mais quoi qu'elle veut jamais rien faire, hein. Ouais, un petit peu. Elle n'est pas assez obéissante. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Tu n'as pas assez dressé. Ça ne sert à pas ça. Il va falloir que je fasse quelque chose là. Alors, avez-vous déjà eu un amoureux en commun dans votre enfance? Pas du tout. Ouais. Ça arrive ça, ça sert quand même. Ouais, peut-être sans le savoir alors. Ouais, quand même. Non, parce qu'on a 7 ans d'écart. Hein, parce que moi j'aime les jeunes et que toi t'aimes les vieux. Ouais. Non. Franchement, non. Jamais. Ça n'a jamais traversé l'idée ça. En plus, on n'avait pas les mêmes amis. Heureusement, je suis pas à ton amoureux de maman. Et moi, de Farid, toi. Ah bon, on aurait été belles. Ouais. Ils ont pas le même caractère, donc ça n'aura pas été possible. Ouais, du tout. Ouais. Nous aussi, hein. Ouais. Ça, c'est la... Parce qu'en fait, on a toutes les mêmes questions. Vous nous avez tous posé la question, quelle était votre plus grosse bêtise ensemble? La différence d'âge, on l'a déjà dit. Est-ce que vous entendez bien? On l'a déjà dit. Le plus gros fou rire. On en a tout le temps, mais il faut rire. Ouais, il y en a trop. Mais le plus gros, ensemble, il y en a trop, je crois. Ouais. Quel est un truc qu'on a vraiment rigolé, qu'on n'en pouvait plus, à se pisser dessus? C'est quand on est en famille, en fait. Hein. Ouais. Dans les Noëls, les trucs comme ça. Quand bébé avait fait des conneries. Ouais. Mais sinon, ce gros fou rire. Ensemble. Ouais. Si, qu'on avait fait, t'en souviens quand Clément était parti à l'armée? On avait fait des vidéos, des trucs au ralenti. Ralenti. Ah ouais. Voilà, on avait rigolé. On avait fait des vidéos au ralenti avec la bouche. Ouais, et le cul qui bouge. Vous vidéos voulez... qui resteront privées. Ouais, j'allais dire, vous voulez un petit extrait. Je sais pas où ils sont. C'est pas où ils sont. Si, c'est moi qui les ai sur l'ordi. Ah, en plus. Ouais, elles seront privées alors parce que c'est pas moi qui ai le monopole de la vidéo là. Ouais. Dommage. Non, sinon après, on a tout le temps de fou rire. Ouais, tout le temps. Hein. On rigole tout le temps. On rigole pour rien, ouais. Ouais, c'est vrai en plus. Ah, Farid, il me dit souvent, ah, tu rigoles pour rien, toi. Un pet, on rigole. Ouais. Un rond, on rigole. Ouais. Un trébuchage, on rigole. Même pas une chute, rien qu'un trébuchage. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Putain, on rigole. Vous êtes combien dans la fratrie? 6. On est 6. On est 4 et 2 autres qui sont arrivés après. Voilà, donc on est... Des demi. Ouais, on a deux demi-sœurs et une demi-frère. On est 3 filles et un garçon de la première portée. Union. Portée des chiots. Et la deuxième, il y en a deux, un frère et une sœur. Du coup, on est 4 filles et 2 garçons. On est nombreux chez nous quand même. Ouais, mais ils sont petits les deux derniers. Ouais, ils sont petits. Pourquoi ça s'arrête des fois? Parce que c'est la carte. Êtes-vous déjà bagarré étant enfant? Oui. Ouais. Mmh. Alors,
Je me souviens une fois, on s'est engueulé au téléphone, tu vois, il dit « Ah ouais, quand je vais venir, je vais te défoncer avec les talons !» C'était quand ? J'étais grande, en plus, je devais avoir 14 ans, hein. Ah ouais ? On s'est engueulé par rapport à je sais plus quoi, au téléphone, peut-être, tu m'avais dit ça. J'avais eu peur. Même le Dimana, elle avait eu peur. Ah non, je me rappelle plus de ça. Ouais, en plus, je mettais des talons, moi, avant. Et tu m'avais pas défoncé, du coup. Non, je parle beaucoup, mais après, c'est comme des fois, je dis à Tissa, attends, je vais t'attraper, ou Chahine, attends, je vais t'attraper, mais après, en fait, je fais rien. Ouais, c'est ça, en fait. Bon, les chevilles qui veulent se bagarrer avec moi, je vais parler beaucoup, mais à la fin, je ferai rien, quoi. Arrête, dis pas ça. T'as la cassos qui te regarde. Ah oui, mais elle se fait chier. Elle va croire que elle va croire que je suis trop gentille après. Mais moi, je vais jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai. J'arrête, mais j'ai une qui. Non, mais là, je suis en train de penser à ce que tu m'as dit hier pour la bagarre. J'ai dit quoi? T'aimerais bien te coller le front. Ah, okay. J'ai une peur, elle a un fantasme. Elle a un fantasme. Non, c'est pas un fantasme. Ouais, mais t'aimerais bien. C'est marrant. Quoi. T'aimerais bien le faire. Hein. Ben, j'aimerais bien, si ça arrive, je le ferai. Tu veux le dire ou tu veux te garder le secret? Vas-y. Vas-y, raconte. Hier, elle nous a dit un truc parce qu'on parlait de quoi d'ailleurs? On parlait de bagarre. Ouais, je suis trop. On parlait de bagarre. Et du coup, elle nous a sorti quelque chose. Elle a toujours voulu que ça se passe, mais si jamais. J'ai vu, un jour, j'ai vu une vidéo. Ouais. D'une fille avec une fille qui ont fait front à front. Vous savez, comme ils font les mecs, là, il y en a toujours une qui veut faire l'homme. Donc elle s'approche au front à front. Chose que je comprends pas. Ouais, moi non plus. Ouais, coup de front. C'était un grand front. Ouais, un front, il a pas derrière la tête là-bas. Et du coup, la fille, ben, elle a embrassé l'autre pour la faire chier. Mais ça l'a choquée, quoi. Ouais. Et du coup, je me suis toujours dit, moi aussi, je vais la choquer, la fille. Ouais. Imagine, elle te fout la langue. Ouais. Ou alors, elle te croit qu'elle t'attrape la bouche, elle t'arrache la bouche. Je crois qu'elle va m'arracher la bouche. C'est ça. Ensuite, avez-vous déjà menti à vos parents? Bah, ouais, des trucs de gamin, quoi. Trucs, ouais, sûrement, ouais. Des trucs de gamin. Maman. Si, des fois, quand il y a des trucs... qu'il faut pas lui dire, ouais. On ne dit pas. Ouais, voilà. Mais bon, c'est pour son bien. Oui, c'est pour son bien. Pour mentir. Voilà. Bon, maman, si tu regardes cette vidéo, on te cache des choses. Ouais. Mais c'est pour ton bien. Non, non après, c'est pas des choses graves. Elle a toujours eu confiance en nous, ma mère. Ouais. On n'avait pas besoin de lui mentir. On lui disait si on allait là, elle savait qu'on était là, on ne mentait pas. Ouais. Donc, non. À part quand je fuguais dans les bois, elle savait pas où j'étais. Ouais. Et moi, quand je m'étais cachée dans le le truc de ping-pong de Cindy, dans la tâche de ping-pong, ouais. il me cherchait partout, j'étais là. Ah ouais, non, c'est non. Au lieu de me dire, oh ma chérie, oh j'étais inquiète, elle m'avait défoncé, maman. Elle avait peur, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Non, sinon, non, on n'a jamais menti, dès qu'on mensonge, jamais. Ouais, c'était toujours des petits. C'est que des trucs bidons, quoi. Enfin, quoi. Des trucs bidons, des trucs. C'est pas des trucs graves, quoi. Ouais. Où il faudrait mentir comme quoi, par exemple. Mais comme dire, genre, je suis là alors qu'en fait t'es là, ou... Ouais. Ou alors ça va bien, ça va pas alors ça va, ou un truc comme ça, tu sais. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Bon, voilà. Les enfants modèles. Ouais, c'est vrai, en plus. On est des enfants modèles. On a bien tourné, quand même. Hein. Ouais. Ouais. Ben oui, on a bien tourné. On est des filles sages. Ouais. On a fait plus attention à notre comportement que notre carrière quand même. Ouais, c'est vrai. Parce que bon... On aime bien ta carrière, on aime bien. On aime bien, il y a des questions. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais du coup, on est bien. On est bien. Ouais. Tout le monde nous respecte, du coup. On est respectable. Ouais. Alors, laquelle serait le plus capable de braquer une banque? Moi, je pense. Ah ouais? Ouais. Tu crois? T'es peureuse, toi. Oh, j'ai déjà roulé dans le magasin. C'est ça la plus grosse bêtise qu'on a faite. Que j'ai faite. La plus grosse bêtise, on la connaît, c'est bon, on sait c'est quoi. C'est à cause de moi en plus. Ouais. C'était quoi la plus grosse bêtise? En fait, je vous explique, quand elle était jeune, comme elle était mineure, et moi j'aimais bien, on n'avait pas trop d'argent, alors tu vois, on voulait tout le temps avoir des trucs dans les magasins et tout. Voilà, tout se fait ça. En fait, on a volé dans les magasins. Et comme elle était mineure et que moi je devais avoir 18 ou 19 ans. Ouais. Ouais, j'étais majeure, quoi. Ouais. Ouais, j'étais majeure. Et du coup, je l'envoyais me voler des petits trucs, des crèmes, des machins. Je disais, ah, mais c'est pas grave. De toute façon, tu te feras pas choper. T'es mineure et tout, tu risques rien. Tu parles. Ouais, l'influence, ouais. Ouais, et tu parles. Les gendarmes, ils étaient venus te chercher à un casino.
Elle était partie avec les gendarmes. Et après, on l'a plus jamais refait. Non. Non. Plus jamais, ça nous avait. Non, ça nous a fait prendre. Non, non, on l'avait plus jamais refait. Je me rappelle, ça nous avait servi de leçon. Ouais. En plus, maman, elle nous avait tués. Parce qu'elle était venue chercher. Les gendarmes nous cherchaient, ouais. Ah ouais, non. Ah, c'était... Je crois que c'était ça la plus grosse bêtise. En fait, je l'ai envoyé voler. Ouais, c'est ça. Je l'ai envoyé voler. Et c'était quoi du coup la question? Et donc du coup, ça serait toi qui serais capable de braquer une banque? Ouais, plus moi que toi. Hein. Ouais, moi je me chie dessus, moi. Je le ferais pas, mais plus moi que toi. Dans le caractère. Mmh. Ouais, peut-être. Mais moi j'aurais pensé que tu m'aurais dit non. Ouais, on sait jamais, hein. Il suffit que ça soit la fin du monde ou quoi. Ouais, faut vraiment que ce soit la fin du monde, parce que ouais, toi... tu verras, t'auras pas besoin d'argent. Ouais. La fin du monde. Ouais, je sais pas. T'es tellement droite dans tes talons que je te vois pas braquer. C'est pour ça que je le ferais pas. Voilà, ouais. Mais entre nous deux, je pense que ce serait plus moi que toi. Oui, peut-être. Ouais, parce que moi je suis peureuse. Ouais, je suis plus peureuse. Ouais, moi je suis devenue peureuse en ayant des enfants. Ouais, c'est vrai. Ouais. Plus j'ai d'enfants et plus je suis peureuse. Heureusement, je me suis arrêtée. Il suffit juste que dans la banque il y ait une araignée et elle barre. Ah, bah ça, c'est sûr. Vous mettez une araignée devant, là, vous voulez pas qu'elle touche, ça y est, c'est moi. Ouais. Alors. Combien de temps que t'es avec ton homme? Ça c'est pour toi parce que moi ils connaissent déjà. Vous êtes mariés? On peut avoir une photo de famille? Alors, combien de temps t'es avec ton homme? Plusieurs années. Voilà, plusieurs années. Ça va faire presque 10 ans. Ouais. L'année prochaine. Vite, hein. Presque 10 ans déjà. Est-ce que vous êtes mariés? Non. Non, ils sont pas mariés. Et est-ce qu'on peut avoir une photo de famille? Non, c'est secret ça. Vous les voyez assez? Une photo de famille? Je réfléchis, je regarde dans mes... Je sais pas où elles sont. Ouais. Je dois en avoir, mais pas là. Enfin, faut chercher quoi. Ouais, faut chercher. Il y en a pas... J'en ai pas de l'ordi, non? Hein? Sur l'ordi, t'en ouais, sur l'ordi, par là. Ouais. Mais de toute façon, vous les avez tous vus, hein, t'as les vidéos. Ouais. Ouais, parce que souvent, on me demande si Farid, c'est Momo. Non. Parce que comme on le voit pas, on croit que c'est lui, mais en fait, quand vous voyez... Farid, mais c'est le sien, pas le mien. Le mien, vous ne le verrez pas. Pour le moment. Ouais, bon, ça peut changer. On sait jamais. Mais bon, pour l'instant, c'est bien. Pour l'instant, c'est mystère. Tu ne fumes pas en secret. Ça va pas. Secret. Tu veux qu'il me tue? Ouais. Après, alors, est-ce que Jennifer est pâtissière? Oui. Oui. Depuis peu. Elles sont serpées. Attends, maintenant que je l'ai... Ah, elle va montrer le diplôme. Oui, le diplôme que j'ai encadré et tout, s'il te plaît. Ouais. Que j'ai mis en évidence. Ah, il est beau comme ça. Le diplôme de pâtissière. Voilà. Donc, si vous avez des gâteaux à faire, vous savez qui contacter les gens d'ici. Ouais, mais il y en a tellement ici que... Ouais, mais bon. Il y en a trop. On sait jamais. Hein. Tu peux sortir du lot. Hein. Ensuite... attends, hop, je réactualise. Quand vous étiez petite, plus jeune, laquelle volait en douce les habits de l'autre? Toi, tu me donnais. Ouais, je lui donnais beaucoup d'habits en fait, parce que moi j'achète beaucoup d'habits, toi moins. Ouais. Toi tu préfères acheter autre chose que des habits, alors que moi j'aime bien acheter des habits tout le temps. Donc ouais. Du coup quand je les mets plus, je fais des tris, je donne. Parce que toi, t'as la mode en toi, moi j'ai pas la mode en moi. Ouais, c'est bidi quoi. Si, quand même, t'as un style, moi je suis plus simple. Ouais, toi t'es plus. Plus je suis à l'aise et mieux c'est moi. Ouais. Toi t'es plus classique. Ouais. Ouais. Donc du coup, ben. En fait, sans voler, je me fais passer mes vêtements, même quand t'es. Même plus jeune. Les chaussures, on achetait. Et on achetait toujours les mêmes habits. Ah ouais. On achetait. Les chaussures. Ouais, on achetait toujours les mêmes chaussures. Les chaussures avec des talons comas. Ouais. Et des trucs comme ça aussi devant. Et des lacets et tout ça. Là, ouais, avec on prenait toujours des chaussures avec des lacets qui nous montaient jusqu'à l'eau du genou. Ouais, c'était belle. Truc de stripteaseuse là. Ouais. Alors, j'étais plus féminine avant quoi. Ouais, maintenant aussi je mets plus de talons, on met plus de talons. J'essaie maintenant, mais. Ouais, parce mais maintenant les enfants ils sont grands. Ouais, mais comme il faut tout le temps marcher, les chercher, machin. Non, je suis grande. Oui, tu es grande. Naya, elle a 5 ans bientôt. Ça va, tu besoin de la porter dans les bras quoi. Ouais. J'avais peur de tomber moi avec les bébés et tout. Ouais. Et puis on est plus à l'aise, hein. Ouais. Même quand tu vas à l'école à pied, t'es plus à l'aise à 100 ans. Ah ouais. Ah non. Sinon, on était féminine avant. Ça va, on est à deux pas. Ouais, t'es juste à côté. Comment as-tu vécu le déménagement de Thyssen? Bon, on va répondre toutes les deux parce que du coup, c'était censé être des questions pour les deux. Comment tu l'as vécu? Moi, bien.
contraire, il faut qu'elle fasse sa vie, quoi. Ouais. Mais après, là, je la vois pareil que si elle était pas, si elle était là, quoi. Ouais. Si c'est... Bah oui, puisque quand là, on est invité, c'est quand elle est là. Mmh. Ouais. Quand on se voit pour manger. Moi, je la vois pareil. Ouais. Elle s'incruste quand même dans les repas et tout. Ouais. Elle est quand même là. Elle vient quand même, ouais. Pour l'instant. Et toi? Moi, ça va. T'as pas pleuré toutes les larmes de ton corps? Non, je vais pas pleurer, j'avais des petits chers dans les yeux. J'avais des allergies. Non, ouais. Le premier jour, ouais. Ça fait bizarre. Hein. Elle est partie, moi je me suis retrouvée toute seule. Tu t'es sentie vide, non? Ouais. Mais bon, après, tout le temps dans sa chambre, donc. Ouais, mais c'est pas. Mais ouais. Le soir et tout, elle était pas là. Ouais. Puis même, tu faisais tout avec elle. Ouais. Bon, heureusement, elle vient, elle vient du jeudi jusqu'au dimanche. Ouais, donc ça va, jours, c'est pratiquement. Pas, ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut que je m'habitue petit à petit. Pour l'instant, ça va. En plus, elle n'a pas le permis encore, donc elle a toujours besoin de moi. Donc c'est toujours moi qui l'amène partout. Quand elle va avoir le permis, je pense qu'elle va se démerder toute seule. Peut-être elle va avoir le prix du gasoil. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Alors, quelle a été votre plus grosse dispute? Dispute? Ouais, ça doit être... Moi, des fois, on s'est disputé, mais ça dure pas longtemps. Ouais. Si, une plus grosse dispute, c'était quand t'habites à Saint-Nicolas. On s'était pas parlé pendant un moment, on s'était disputé. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Je sais plus. On s'était disputé au téléphone. Ça me dit rien. En fait, on s'est tellement pas souvent. On s'est disputé au téléphone toutes les deux. Ouais. On s'est jamais disputé en face. Ou alors par message. Ouais. Sur Messenger ou quoi. On se dispute. On est dans des groupes avec la famille, on se dispute. Mais après, ça dure. Ça dure un jour ou deux, ouais. Ouais. On se dit ce qu'on a, on dit ce qu'on a envie de se dire, après, ça y est. Quelle est la plus coquine des deux? C'est elle. C'est ça, ouais. C'est elle, c'est toi qui m'as tout appris. Quelle c'est qui la plus coquine? Je sais pas ce que ça veut dire. Mais la plus imbécile, quoi. Voilà. On parle pas de ces sujets-là entre nous. Non. On est pudique chez nous. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais je crois que c'est elle quand même. Hein. Non, ouais. Moi je pense qu'il faut se méfier de ceux qui parlent pas. Ouais, peut-être. Mais on parle pas les deux. Ceux qui en disent le moins. On parle pas les deux. je parle un peu plus que toi, donc je dois en faire moins que toi. Ouais. Déjà, je l'imagine pas, alors shit, on va changer de sujet. On va changer de sujet. Hein? Alors là, qui t'ose le plus? Oh, c'est toi. Non. Ah non, non, alors ça, c'est toi. Ça. Elle nous envoie. Des vocaux, on est un groupe en famille et elle nous envoie des vocaux quand elle est en train de péter. C'est vrai, oh. Non, c'est pas spécialement quand je pète, c'est quand je parle et que je pète en même temps. Oui, mais ça t'est déjà arrivé d'envoyer spécialement ton pète. Ouais, mais bon, c'est rare parce que faut que j'arrive à l'attraper quand même. Comme les abonnés qui m'envoient des pètes. Ouais. Non, mais franchement. Elle a cru que t'étais. La poubelle. Je sais pas. Mais elle te voyait tellement péter que... Non, pourtant je pète pour pas elle, beaucoup. C'est naturel en fait. Avec eux. Je pète pas beaucoup quand même. Oh, qu'est-ce qu'il m'appelle lui? Attends. Ah, tu me casses toi. Ouais, putain, tu fais chier là. Attends, il est où mon... Il est là. Bon, ensuite. Alors, on a des questions un petit peu bizarres, donc on va répondre aux petites questions bizarres. Alors, Jennifer, si... Déjà, s'il y avait une chose que j'avais... Que t'aimes pas et qu'il faudrait que moi j'aime et que tu t'en débarrasses et vice versa. Est-ce que c'est y a un truc que t'aimes pas chez moi que tu dans ta tête tu te dis ouais il faudrait que j'aide ça. Alors du coup est-ce que ça peut être en matériel ou pas? N'importe. Ou en émotionnellement ou physiquement. Ouais ouais en tout ouais. Ben ta maladie. Alors c'est vrai. C'est parce vrai. Qu'en plus elle en parle encore beaucoup. Donc, non, pas trop. C'est quand comme même. Si tu n'avais pas sauté l'étape encore. J'en parle où? Sur les réseaux? Ouais, même avec nous. Ouais, c'est vrai. Mm. Ouais, c'est vrai. Soit c'est pour te décompresser ou pas te décompresser, t'évacuer. Moi. Ouais. Moi, c'est parce que j'ai plein de copines. Ouais, je suis encore plein de copines qui sont malades et tout ça. Donc, c'est pour ça. Et moi, qu'est-ce que c'est? Moi, je sais, c'est un secret qu'on a en commun. Un secret qu'il faut pas dire. Ah mais qui m'appartient. Oui qui t'appartient. Ah, okay. Mais c'est un secret. Ouais moi ça serait ça. Ouais. Et qu'il faudrait s'en débarrasser. Ouais. J'y travaille. Ouais, elle y travaille. Mais c'est un secret, c'est entre nous. Ouais. Voilà.
Donc c'est ça qu'il faudrait qu'on se débarrasse. Je pourrais le savoir. C'est quoi? C'est un secret. C'est un secret, tu peux pas savoir. En fait, on te l'a pas dit, mais elle voulait se débarrasser de toi. Arrête, il dit pas ça, il va être en dépression. Il va pleurer, ouais, il va pleurer pendant une semaine. Il va rigoler en pleurant. C'est vrai, je t'avais dit. Hein? Quoi? Ah. Ensuite. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. C'était pour rigoler. Non, parce que il va le prendre au sérieux sinon. Non. Tu commences à muer de la voix, je crois. C'est la gorge. C'est la gorge. C'est la gorge. Il est tout défriché. Alors, êtes-vous prêt à tout pour votre sœur? Est-ce que tu serais capable de me donner un ring? Oui. Vraiment aussi, en plus. Oui. Bien sûr. On a pris. Qu'est-ce qu'il y avait comme question? Quelle est notre émission ou film préféré? On va dire émission ou série. Ouais. Parce qu'on a les mêmes goûts pratiquement. On a les mêmes goûts, hein. À part pour Game of Thrones. Parce que je l'ai pas encore regardé. Ouais. Parce que ouais. Et comme tu m'as dit que t'accrochais pas dès le début, j'ai peur de... Ah si, mais après. Ouais. Je le regarde. Regarder encore. Sinon on a aimé Elite. Elite, on a aimé. 13 Reasons Why, ouais. Tu l'as fini ou pas? Je l'ai pas fini, mais ouais. On a aimé les trucs de... d'ado. Ouais. Les Demoiselles du Téléphone. Ouais, ça aussi. Ouais, à part la dernière saison. Ouais, cette dernière saison. La télé-réalité aussi, on regarde. Oui, la télé-réalité, on regarde beaucoup parce qu'on aime bien faire les commères après. Ouais, et ça nous passe le temps. Ouais, on aime bien. Les disputes et tout ça, ça nous plaît. Comme tout le monde. Ouais, et Walking Dead. Ouais, c'est Walking Dead. Ça aussi. Et La Casa de Papel. Ouais. Ouais. Ouais, en fait, après, après, voilà. Y a pas de... Après des films, on est allé voir plein de films au cinéma qu'on avait en commun, ouais. Les trucs Disney, ouais. Tout ça, on a aimé. Mm. Donc, ouais. Après, on a beaucoup de points communs. Ouais, on a beaucoup de points communs. On dirait qu'on est des jumelles un peu. Ouais. C'est vrai, hein. Parce qu'on pense la même chose tout le temps. Ouais, c'est vrai, ça, on pense toujours la même chose. On a les mêmes idées et tout. Après, si on devrait être une célébrité, qu'est-ce qu'on serait? Qui, moi, toi t'aimerais être qui? Bonne question. Eva Longoria, peut-être. Ah ouais? Ouais. Moi j'aurais bien aimé être. Attends, c'est qui que je trouve trop belle? Attends. Oui, une actrice que je trouve belle. C'est qui le plus riche du monde? C'est notre père. Non, moi j'aime bien Eva Longoria, même son rôle dans Desperate Housewives. Ouais. Moi j'aurais bien aimé être. Tu sais que j'aime, que je te dis à chaque fois. Une blonde. Tant que les blondes. Ouais. Non, ça dépend. Sinon, ouais, franchement, je sais pas, une célébrité, qui c'est que j'aurais aimé être? Moi, le plus riche. Si. Celle qui est belle, là, au naturel et tout, là, comment elle s'appelle, elle? Elle ressemble pas à Eva Longoria, mais. Jessica Alba? Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai, Jessica Alba est belle. En plus, tu t'appelles Jessica. Là. Ouais, voilà. Ouais, toutes les Jessica sont belles, quoi. Jessica Olympica. Ouais, Jessica Alba, Jessica. Caca. Tout est que de caca et de pète. Ouais. C'est pour ça que tu vois de pète. J'en ai vu une là. Quelle est l'insulte ou le gros mot qu'on répète le plus souvent? Le con de ta mère. Ah non, moi j'ai dit le con de ta grand-mère, la Simone. Oui, parce que je connais pas de Simone. Moi, le plus gros mot, c'est. Ouais. C'est vrai. Ouais. Quand je dis un truc, c'est. C'est vrai. J'avoue. Je dis tout le temps. Tu répètes pas, hein, méfie-toi. Non. Ouais. Non, parce qu'il a les oreilles grandes ouvertes, là. Non. Et sinon, en commun, qu'est-ce qu'on répète, le gros mot qu'on répète en commun le plus souvent? Putain. Ouais, putain. C'est le plus classique. Ouais. Tout le monde dit ça. Putain. Toi? Parce que oui, ça va. Des fois, je le dis sans faire exprès. Oui, mais pas devant moi. Punaise. Ouais. Mercredi. Purée. Alors, êtes-vous très différente ou avez-vous beaucoup de points communs? Caractère, style vestimentaire. Ben, caractère pareil. Ça dépend, caractère. Oui, ça dépend. Toi, t'es plus franche, quoi. Ouais. Toi, t'es plus franche. Mais en fait, pas caractère, les pensées. On pense pareil. Ouais. On pense pareil et on réagit pareil. Sur des choses, plein de choses. Sur plein de choses de la vie. Et le style vestimentaire, non, on n'a pas le même style vestimentaire. Non.
Non. Moi, je suis simple. Elle est classique et moi, je suis plus au ce style. T'as l'originalité. Ouais. J'aimais tout ce qui est original. Ouais, moi aussi, pourtant, mais... Ouais, mais t'oses pas. Ouais. Et moi aussi, j'ose pas parce que je ferais plus pire sinon. Regarde, comme porter les perruques, si j'ai pas le bonnet, je la porte pas. Ouais. Quoi, c'est une perruque, ça? Oui. Ah, tu savais pas que j'avais les cheveux courts? Il me regarde trop, ton fils. Ah. On te voit tellement souvent. Ouais, aussi, ouais. Je crois que ça fait 3 fois qu'elle vient chez moi. Sérieux? Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que t'as déménagé il y a pas longtemps aussi. C'est une perruque. En mois de mai. Je suis bien, mais je fais pas longtemps, nous, en 6 mois. Non, c'est vraiment une perruque. Oui, c'est on dirait pas. Tu peux l'enlever là? Non. voilà, après on va juste aller voir si on avait d'autres. Ouais, sinon la météo va durer. Ouais, dis non. De toute façon, je vais trier après. Oh, il y en a pas d'autres. Attends. J'ai pas actualisé. Hop. Bon, déjà, on a fait une vidéo, c'est bien. On en fera une autre, mais avec un quiz. Avec Cindy aussi. Ouais, avec Cindy, ouais. Ou alors, toutes les 5 aussi. Toi, Cindy, maman, Tissène et moi, que les filles. Ouais. On fera ça. Donnez-nous des suggestions de vidéos qu'on puisse faire entre filles ou en famille ou des trucs comme ça. Et ça avec sera qui bien. Et avec qui aussi? Avec qui voudriez-vous qu'on fasse de vidéos? C'est comme ça qu'on dit? Mmh. Avec qui voudriez-vous? Oui. Voilà. Donc là, on va se laisser parce que j'ai du travail. On dirait que j'ai des petits tétés. Pourquoi ils sont gros? Non. Bon, dites-nous en commentaire si vous aimeriez voir d'autres vidéos, quoi comme vidéo, donnez-nous des idées. Et puis voilà, moi j'ai plein de petites idées là pour les vidéos. Bon, ben voilà. Hein. Et on a répondu à quelques questions. Mm. C'était bien. On n'a pas trop rigolé parce que vous nous avez pas trop mis de rigolotes aux questions quand même. Hein. Je crois. Trop sérieux, quoi. Ouais. Bon, on se fait des bisous. Hein. Ouais. Et puis à très bientôt. Bye bye. C'est bon, ça.